Bonjour à tous, alors on se retrouve avec la première partie d'un haul action. Mais avant que je vous montre ce que j'ai acheté, je voulais vous donner deux informations. La première, c'est que j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Mielou et moi. Je vous mettrai le lien en barre d'infos afin de vous mettre tous les liens lorsque je fais des commandes sur les sites asiatiques tels que AliExpress, Joom, enfin voilà. Et puis peut-être d'autres sites à l'avenir. Donc comme ça, vous pouvez retrouver plus facilement les articles. Donc je vous invite à aller voir sur cette page, à l'aimer afin de pouvoir voir régulièrement les liens que je vous propose. La deuxième chose, c'est que sur mon compte Instagram, qui toujours s'appelle Mielou et moi, mais je vous mettrai aussi le lien, enfin il y est tout le temps de toute manière, vous pouvez retrouver des nouvelles. Je vous donne un petit peu des nouvelles des achats que j'ai fait, savoir s'ils sont bien, si finalement ils sont nuls, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Enfin voilà, je vous en parle un peu quand je suis contente, quand je suis pas contente. Mais aussi, je me suis dit c'est dommage parce que des fois j'achète des choses en promotion à Action, mais le temps que je vous poste la vidéo, ils ne sont plus en promo. Donc je me suis dit, je vais leur... quand je trouve des bonnes affaires ou des choses en promo, enfin voilà, des choses intéressantes, je vais leur mettre sur Insta, comme ça vous pouvez directement voir ce qui est en promotion et foncer dans votre action. Donc c'est tout pour les petites infos, maintenant je vous montre ce que j'ai acheté. Donc la première chose, c'est une écharpe pour ma soeur, je vous montre l'image. Voilà, elle est assez large. Vous voyez, elle est large, hein, plus large que moi. Elle fait 60 cm de large. Elle est réversible, voilà. Un côté plus clair, un côté plus foncé, avec des petits dessins comme ça géométriques. Et elle fait 2 mètres de long. À chaque extrémité, il y a des petites franges. Ah, on ne voit pas. Voilà, je monte comme ça. Il y a des petites franges aux extrémités. Et la scène était... en fait, la scène avait besoin d'être lavée. Et elle n'en avait pas d'autre en attendant, et comme il fait assez froid, je lui en ai acheté une autre qu'on trouvait toutes les deux très belles. Pour moi aussi, j'ai pris des écharpes, donc celle-ci je vous l'ai montrée sur Insta par exemple. Elles sont toutes douces et j'ai pris plusieurs couleurs, donc j'avais pris une écrue comme ça. C'est des écharpes boules, on peut faire 2 tours avec. Elles étaient en promo, mais je vous l'ai déjà dit de toute façon. Donc j'ai pris une gris clair comme ça. Elle est trop belle, il y a un gris plus foncé, mais ça tire sur le bleu. Et moi j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai pris. J'y suis retournée parce qu'au début j'avais pris que les crues. Et celle-ci, qui est un peu taupe avec. Qui tire un peu sur le caramel. Voilà. Là il fait un peu sombre, on voit pas bien, mais elle est belle aussi. Je ne sais pas si elle a la taille, non, voilà, mais vous avez vu sur mon cou à peu près ce que ça donne. Ensuite j'ai pris ça, une fausse peau de bébête, c'est pour Mielou parce que comme lui n'a pas eu son plaid, et j'allais dire il est très jaloux, mais non, parce que de toute façon il le prend et s'en fiche. Enfin voilà, je lui ai pris une petite peau pour qu'il se couche. Je sais pas s'il va se coucher dessus, on verra bien. Je vous dirai ça, je mettrai une photo sur Insta si jamais je le retrouve couché dessus. Ensuite j'ai pris un petit arbre comme ça en bois, c'est une déco de Noël, c'est marqué « All I want for Christmas is you » et je le trouvais trop mignon. Il y avait peint en blanc ou alors brut, enfin voilà, ils étaient beaux les deux et j'ai choisi celui-là et il y en avait un autre avec écrit autre chose. Ah oui, « I wish Merry Christmas ». Voilà, je le trouvais trop mignon. Ensuite j'ai pris ça, des lunettes de protection. En fait c'est pour une vidéo que je vous prépare. J'en ai commandé sur Joom, mais mettre trop longtemps à arriver, c'est pas vraiment des comme ceci que je voulais. Voilà, je vais pas vous en dire trop, mais voilà, j'en ai trouvé chez Action. Et si vous voulez la petite histoire, je vais en chercher chez Action parce que je me suis dit il y en a forcément là-bas. Et puis dans le rayon, on n'a pas trouvé, ma soeur m'a dit, oh bah non, il n'y en a pas. On part dans le rayon suivant, et là il y a une dame qui me dit, excusez-moi, j'ai entendu ce que vous disiez. Et elle me tend les lunettes, voilà, elle les avait trouvées. Ensuite, grâce à Mamie Corinne, j'ai retrouvé
la joie des petites chaufferettes comme ça là. Oh là là, j'aime trop les chaufferettes. Ils en ont mis des nouvelles et j'ai vu dans sa vidéo qu'elle en avait acheté. Et donc je me suis dit, ah, pas à tout prix que j'aille en acheter parce que j'adore ça. Donc voilà, j'ai pris un petit cochon comme ça marqué Touch Me. Et celle-ci, je m'en suis déjà servie, il faut que je la remette dans une casserole. J'ai pris un petit cœur avec des petits cœurs dessus. En fait, je les ai pratiquement toutes prises. Un petit pingouin comme ça. Et un cœur avec des petits points. Donc voilà, en cœur, il y avait les deux modèles que j'ai pris. Le pingouin, il y en avait aussi un bleu avec une écharpe, mais il n'y était pas. Il y avait des ballons de foot, moi j'ai pas pris parce que j'aime pas. Et autrement, du même style que le petit cochon, il y avait une grenouille. Elle était mignonne aussi. Mais bon, j'allais pas toutes les prendre. J'ai aussi pris un photophore comme ça en forme de reine. Il y avait deux modèles, reine ou ange. Et j'ai déjà mis une petite bougie dedans, vous voyez. Je le trouvais trop beau. Et il est tout chromé de couleur argent. Et pour finir, j'ai pris quelque chose que ma maman ne doit pas voir parce que c'est pour elle. C'est une petite boule comme ça avec... Déjà, elle est toute pailletée. Et il y a deux jumbo pour les lèvres dessus. Dedans. J'étais en train de me dire ce qu'il y avait d'écrit dessus. Donc Color Lip Balm by Meki. Voilà, je trouvais ça sympa. Ça fait un petit cadeau qu'on lui offrira à Noël. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous en attendant la suite. Bonjour à tous, alors on se retrouve avec la suite et la fin du haul Action. Donc pour commencer, j'ai pris ça. C'est un sweat en pilou-pilou. Donc voilà comment il est. Il y avait trois couleurs, il y avait noir, blanc ou rose pâle. Et il y avait trois tailles, S, M ou L. Sa taille est assez grand, donc j'ai pris du S. Et voilà, il a une capuche. Donc comme vous voyez, je l'ai pris blanc. J'hésitais avec noir, mais j'en ai commandé un sur Zoom en gris très foncé. Donc voilà, j'ai pris blanc. Et puis rose, j'aimais pas trop. À la base, je voulais prendre du L et prendre rose parce qu'il n'y avait que rose en L. Et finalement, bah, j'ai pu prendre la couleur que j'ai voulu. Voilà, il est plutôt grand et tout, donc voilà. Ensuite, j'ai pris deux cartons de Noël. Ils sont assez grands et en fait, voilà, il y a deux modèles. Donc, il y a celui-ci bleu avec des petites clochettes. Il est beau. Et puis il y en a un rouge comme ça, avec un paysage de Noël, des petites maisons, des rennes avec marqué Pôle Nord, un petit oiseau, des montagnes, et Merry Christmas en doré avec des flocons. Il était, je le trouvais super joli. Et je me suis dit que c'était sympa pour envoyer quelque chose à sa famille qui habite loin, ou voilà, pendant les fêtes, ou bien pour faire un concours de Noël, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces cartons, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite j'ai pris des Werther's originaux là, mais voilà, c'est la marque Tayas, c'est des saveries caramel, c'est la même chose que c'est une autre marque et moi j'adore ça. Pour rester dans les chocolats, j'ai pris ça, un petit cracker je crois que ça s'appelle, et c'est avec des chocolats au praliné dedans, c'est comme des crottes hein. Des crottes en praliné. Et c'est pour mon papa, on va lui offrir à Noël parce qu'il adore le praliné. Ensuite j'ai pris ceci, une grosse boîte de cartes de vœux. Il y en a 40 dedans, il y a 40 enveloppes, il y avait plusieurs coloris, c'était toute simple, hein, c'est pas marqué meilleur vœu ou quoi. C'est vraiment des motifs très jolis, il y a des petits points, enfin je vais vous montrer les différents motifs. Ça sera plus simple. Donc vous voyez, elles sont très belles, elles sont métalliques comme ça. J'ai pris un peu or rose, bronze. Il y avait rose, enfin plus rose, mais toujours métallique, argent et doré. Je crois que c'est tout. Et j'ai trouvé super sympa.
Ensuite, j'ai pris un petit paquet de graines à mes lapines en attendant de racheter un gros sac de 25 kg parce que j'en avais plus. J'ai pris ceci, donc des petits porte-clés pompons. Donc un pour ma sœur, un pour moi et un pour ma maman. Il y en avait aussi des roses et il y en avait d'autres qui étaient différents en fait. Parce que depuis que j'ai eu le mien sur mon sac à main que j'ai acheté, voilà, j'ai acheté le sac avec le pompon. Elle était jalouse, voilà. Ensuite j'ai pris des piles comme ça, donc Panasonic, je les prends assez souvent, elles sont bien chez Action, elles coûtent pas cher et c'est une bonne marque. Et cette fois-ci c'est des AAA, on n'en avait pas. On s'est repris un câble chacune pendant qu'il y en avait, donc c'était des câbles de 2,50 m pour iPhone 6, 7, 8, enfin voilà. Et donc voilà, pendant quand il y en a, on en profite. Avec ma soeur ce matin, on parlait de cette petite palette d'highlighter qui est un peu un dupe des Anastasia Beverly Hills. Et elle me disait c'est dommage, il n'y en a plus. Je lui ai dit bon, ils vont peut-être en remettre et il y en avait. Donc elle l'a pris et moi j'ai pris celle-ci parce que je ne l'avais pas pris. Je me suis dit allez, pourquoi pas. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est un album à colorier. Ils disent néon parce qu'en fait on a des fluos avec. Et les pages sont noires, en fait c'est l'inverse de d'habitude. Ce qu'on doit colorier est blanc et... Enfin non, pas vraiment l'inverse, mais... Enfin voilà, vous me comprenez. Et ça, je trouve que c'est ça fait un super rendu une fois colorié. Donc je les ai pris. Et j'ai également pris ça dans le même style. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais le mercredi, quand j'ai le temps, enfin avant j'y allais tout le temps, maintenant moins, mais il m'arrive d'aller à la prison, au quartier femmes, et on fait des activités avec les femmes pour qu'elles puissent offrir les objets qu'elles créent à leurs enfants pour conserver le lien. Et voilà, les femmes détenues, hein, qui ont des enfants à l'extérieur. Et les petites mamies avec qui je suis, elles avaient acheté des trucs comme ça, elles leur ont fait faire. Et je trouvais ça trop sympa. Donc, je me suis dit, ouais, ça vient un petit Action, c'est sûr. Et donc voilà, j'en ai pris deux sortes, il y en avait quatre sortes je crois. Donc voilà, j'ai pris par rapport à ce que je préférais au dos. Donc vous avez dedans 5, je crois que c'est 5. Oui, vous avez 5 cartes mandala comme ça, à colorier. Vous avez les cartes toutes blanches en fait, cartonnées, qu'on replie, enfin elles sont déjà pliées. Et vous collez votre mandala devant. Et puis vous avez l'enveloppe. Donc voilà, on est pris de l'eau. Ensuite j'ai pris ça. En fait c'est une coque donc pour iPhone 6. Et c'est en fait pour prendre des choix. Ça fait comme un flipper, vous avez une petite manette. Là vous envoyez la bille. Et puis suivant si elle tombe dans no ou yes, bah, vous savez ce que vous devez faire. Enfin, on trouvait ça rigolo. Malheureusement il n'y en avait pas pour iPhone 7. Dans ce modèle là, il y avait d'autres modèles mais pas le même style ni la même couleur. Et donc voilà. Donc c'est rose et jaune. Ensuite j'ai pris ça, c'est un petit chiffon anti-buée. Donc je sais pas si ça va marcher, moi souvent j'ai de la buée dans ma voiture. Et apparemment faut le laisser dans le sachet. Faut pas le mouiller sinon il perd son efficacité. Enfin, il y a un produit dedans. Voilà. Ensuite j'ai pris des petites cartes comme ça là. Elles sont vraiment trop belles, il y a des plumes, il y a des... Ouais, je vais vous montrer. Des plumes comme ça. Je sais pas combien il y en a en tout, il y a 32 feuilles, donc c'est des feuilles cartonnées. On a des rayures, des petites flèches, des petits points, mais pas sur toute la feuille. Des petits triangles, des petits traits, enfin. Et je les trouvais super, super belles ces petites cartes, donc voilà, je les ai prises. Ensuite j'ai repris des chaufferettes, oui. Parce qu'il y avait trois nouveaux modèles, enfin même plus que ça, il y avait des iPhones, mais avec des noirs, j'en ai pas pris. Voilà, j'ai pris des petites fraises comme ça, sur un fond rose clair, donc sympa. Même si je trouve que ça fait plus été et des chaufferettes qui font été, c'est bizarre. Mais... Comme le petit cochon, j'ai pris le petit ours. Et j'ai pris un bonhomme de neige. Je vais en avoir un nombre phénoménal. Et ensuite j'ai pris ça, donc c'est un kit pour faire des cartes, enfin pas forcément des cartes, mais il y a des petites bandes de papier que vous roulez, vous avez des... Je vais peut-être ouvrir pour vous montrer, ce sera plus simple.
Je vais déjà vous montrer en fait pourquoi c'est faire. Voilà, vous voyez, c'est des petites bandes de papier qui sont roulées et ça fait des motifs comme ça quand on les assemble entre elles. Et je trouvais que c'était trop sympa. Vous avez deux sachets de bandes de différentes couleurs. Et vous avez une petite plaque comme ça, c'est du liège à l'intérieur et vous avez des trous, des carrés, des demi-cercles, des cercles, des ovales, des triangles, des cœurs, des petits ronds, des petites gouttes, voilà. Et en fait avec ce petit ustensile là, c'est... voilà, en fait il y a une fente hein, au bout. Vous mettez votre papier, vous enroulez. Et puis vous enroulez en fonction de planches comme ça. Et ensuite vous en assemblez différents pour faire ce que vous voulez, comme par exemple le papillon que vous avez là. Je trouvais que c'était sympa, donc à tester. Donc voilà, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.